Un travail de diplôme, c'est une base pour la vie. Ce sera le début de l'identité de votre travail. Hein, alors prenez votre temps, réfléchissez, interrogez vos souvenirs, votre expérience pour construire votre univers plastique. En quoi, toi, c'est ton expérience de travailler sur les jardins à la française ? Le choc que j'ai à Versailles, tout simplement. Et la sensation de faire partie de cette culture, peut-être. Je trouve ça sublime, et d'ailleurs, on les appelle les parterres de broderie. En fait, j'en ai marre qu'ils nous demandent de raconter notre vie. Dire quelque chose de soi, c'est pas raconter sa vie. À quoi tu penses le plus souvent ? À Antoine. À Antoine. Ce n'est pas « je pense comme Antoine », mais « je pense à Antoine ». Quoi ? Bah, c'est vite, c'est dur de se rendre compte. Bah, quand les photos de ton amoureux seront accrochées partout, on verra comme c'est beau chez moi. T'es con, Rodolphe. Non, mais je suis sérieux, on fait une expo dès que t'es prêt. Hein. Le lieu, il est pour toi, mon pote. Enfin, c'est pour que sa mère soit rassurée. Oh, elle veut qu'on dîne avec eux dimanche. La préalise en stage pour me surveiller. C'est pas vrai ? Non, ça va, c'est une blague. Ça va, Maya ? Super, et toi ? Ouais, ça fait plaisir de te voir. Ouais, ça va ? Salut, Paul. Salut. Bienvenue, bienvenue. Merci. Bonsoir. Enchantée. Je suis Maya. Alice. Enchantée. Ouais. Nice to meet you. Voici Paul. Voici Antoine. Antoine. Antoine, nice to meet you. How about you ? C'est super ce que vous avez fait, hein. Ah ouais, ouais, on a bien bossé, je suis content. On boit un coup ? You know. Oh, a hand embroidery. What is that? Would you like to use it for art? Est-ce que tu veux être une artiste? Ah, non. Artist, to just fashion, couture. A lot of things are made in India these days. Yes, they are very good Indians. Pourquoi t'as toujours l'air de t'ennuyer quand il y a du monde ? Mais je m'ennuie pas, je regarde. Pourquoi tu parles pas avec les autres ? Bah si, je parle. Elle est mannequin, Maya, la fille qui était là. Maya, ouais, elle a fait un peu de photos pour payer ses études. Elle a fait quoi comme études ? Elle était à Sciences Po avec Rodolphe. Et ouais, il y a des gens qui ont tout en apparence. C'est pas seulement des apparences. On a racheté plein de meubles. Bah, le canapé déjà. Ma mère, elle a retrouvé du boulot à Saint-Nazaire. Elle s'est barrée, elle a rien laissé. On a dû tout racheter, elle a embarqué la télé, la chaîne et même le micro-ondes. Et ton père, il est où ? Je sais pas. Et vous, vous avez quoi comme télé ? Une Sony. Mais bon, moi, c'est ma mère qui a tout acheté. Oui, mais de toute façon, on la regarde pas. Moi, je préfère les livres enregistrés. Les livres enregistrés ? C'est pratique pour travailler en même temps. Et c'est qui lit ? Bah, des grands acteurs, souvent. C'est beau, hein ? Et puis des livres enregistrés, tout le monde peut en profiter. Hein, Alice ? Bah, c'est trop délire, vos soirées. Bon, mes clientes, elles adorent Marc Lévy. Et c'est vrai qu'il est pas mal. Mais il faudrait que tu viennes. Je prends de l'épilation complète. Ah bon, mais ça se fait souvent, l'épilation complète ? Grave, ma patronne, elle dit que c'est à cause du porno. Les bourgeoises, elles veulent toutes. Mais c'est chelou à faire. Fais gaffe, hein, y a souvent les bleus au niveau du rond-point. Ciao!
Ciao. Tu veux conduire? Mais j'ai pas mon permis. Ah oui, pardon, t'as pas ton permis. Mais bien sûr. J'aime bien ce HLM. Il est beau. Ouais, il est super beau. Vas-y, arrête-toi. Arrête-toi! Lâche-moi, tu me fais mal. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on a rien à faire ensemble. Putain, mais Alice, arrête d'être conne. Bon, mais c'est ce qui te plaît, non? Mais c'est ça que tu cherches chez moi, en fait, une conne à éduquer. C'est quoi ton problème, au juste? Eh, j'ai pas de problème, c'est toi, là. Tu nous regardes comme des choses, avec tes airs. Pas du tout. Pourquoi tu te fous de ma gueule? Est-ce que c'est tellement comique que j'essaye d'apprendre? C'est dégueulasse ce que tu fais, là, trouver bien leur télé et tout ce que tu détestes. Ah bah oui, mais je suis libre avec mon ami Rodolphe. Et quoi, lui aussi, il a touché un héritage, c'est ça? Rien, je te déteste, t'es un con! Toi et tes photos de merde à la con, je vous déteste! Ton délire, en fait, c'est d'être avec une pauvre meuf pour t'en dire plus fort, c'est ça, hein? Hein? T'en as rien à foutre des apparences, mais prends-moi pour une conne! Il paraît que vous avez dormi dans le jardin. Ouais. On a eu la délicatesse de pas vous réveiller. Si vous ne rentrez pas, vous prévenez. N'importe qui s'inquiéterait. Tu vois, je t'avais dit. Oh, tu m'as dit beaucoup de choses hier. Il est bien son format, je trouve, Marie-Colle. Tu sais si ça s'est bien vendu? Bon, créer un magazine, c'est toujours un peu risqué, mais je crois que ça a bien démarré, ouais. Ta mère m'a dit que tu n'avais pas voulu participer. Il veut pas se compromettre. Mmh. Enfin, sois pas trop sentimental quand même. Les grandes idées, c'est sur la durée qu'elles s'expriment. Non mais moi, je n'ose plus rien lui dire, de toute façon. Quel travail incroyable. Tiens, Alice, regarde. Elle fait un peu comme toi. Tu sais qu'Alice m'avait tricoté une ravissante écharpe pour me remercier de nos conseils, un peu dans les bleuets. Mmh. Et moi, je n'ai pas eu le droit à un cadeau. Oh, écoute, tu n'avais quasiment rien dit. J'avais parlé de la tapisserie et ça avait servi, n'est-ce pas? Et on peut voir ton travail quelque part? Mmh. Mais bientôt, je prépare une expo avec un copain qui ouvre un lieu. Ah bon? Mais c'est formidable, ça. Pourquoi pas l'avoir dit? Bah, je te le vis là. Bah, c'est bien, alors. Je vais voir la tapisserie. Tu devrais y aller. Harold est un fin connaisseur de la broderie de Mathilde. Ce serait bien pour ton travail. Mais ça t'embête pas? Non, pas du tout. Moi, je vais aller voir Kevin et Manon. Si ça t'embête pas. Bah non, pas du tout. Je fais mon sujet de diplôme sur l'attente des femmes. Mathilde qui attendait Guillaume, la ruse de Pénélope pour rester fidèle, puis toutes celles qu'on connaît pas. Ah, l'attente des femmes. Finalement, c'est si peu de choses de femmes dans l'histoire. Que faisaient-elles vraiment? Et comment tu comptes matérialiser ton idée? Je travaille autour du pavot, sur la destruction de la beauté
en montrant que le beau cachait de la peine. C'est une fleur très belle qui s'abîme très vite. Des pavots, quel drôle d'idée. Et Mathilde, vous auriez fait quoi comme parfum pour elle? Connaît-on seulement son visage? Bah, elle devait être belle. Mathilde, je l'imagine pas très jolie, mais très intelligente. Une femme de tête qui a l'idée absolument géniale de commander une tapisserie qu'elle signerait. Une reine de marketing. Et contrairement à ce que tu crois, je parie qu'aucun de ces petits bonhommes n'a été réalisé par elle. On parle des moines et des servantes. Mais dans l'imaginaire collectif, penser une reine bienveillante qui attend le retour de son homme en conquête, ça endort les esprits. Il lui aurait fallu 1000 ans pour faire un tel ouvrage.